Mais voici Eric Ujade, l'un des plus beaux artistes, j'allais dire, l'un des grands virtuoses de ce cheval d'arçon toujours redoutable, même s'il est immobile. Alors voilà, ce qui va le distinguer, c'est effectivement l'allongement du corps. Gymnaste longiligne, très fin, on peut le voir. Il multiplie les cercles sur un arçon et les changements de face. Véritable spécialiste de cet agrès, ici une demi-boucle sur un arçon et au bout du cheval. Il faut noter par rapport à Ivankov qui travaille un peu plus en puissance, la légèreté de Eric Ujade qui survole carrément ce cheval avec un transfert parfait et une fin en appui. Oui, Eric est un gabarit très particulier qui lui confère un style que les autres n'ont pas. Effectivement, le cheval d'arçon, c'est payant. Et avec 9,70, il obtient la même note que Ivan Ivankov, le Biélorusse. Mais Eric Ujade, lui, récupère la note de son concours général d'hier. Et donc, il remporte la médaille d'or dans cette spécialité où on l'attend avec impatience, lui aussi au championnat d'Europe. Sera-t-il enfin champion d'Europe? C'est la question que l'on peut se poser. Réponse dans un mois.